Bon, sans intro, on est aux Écuyers, à pied. Bon, aujourd'hui, on va troller. Alors c'est qui? Salut, c'est Ludo. Ludo. On va faire une petite session drift, on va essayer. La Z qu'on voit tout le temps drifter, mais on sait pas qui c'est. Oh, on connaît bien là-dedans. Hey, on peut même se parler, on entend. Vas-y, chope. Tout discret, c'est pour le contrôle technique. Salut. On va faire le sonomètre. Faut mettre dans une Z. Pardon, ça accroche. Bah voilà, on est planté. C'est con, on est juste à côté, mais on n'est pas dessus. Parce qu'on est planté. Il n'y a pas grand chose, mais ça suffit. Salut, moi c'est Erwan. Je suis avec Antonin. Antonin, le petit frère d'Erwan. On a une petite Nissan S13. On va essayer ça. Premier essai après un petit feu. Donc. Ah oui, c'est vrai. Chaîne YouTube, Facebook. Non, on n'a pas. Il n'y a pas. On n'est pas assez bon. Enlevez vos masques, on dirait que vous allez braquer une banque là. Oh, c'est un moteur normal quoi. Qu'est-ce qui c'est qui dépasse là? C'est la machine à café. On a Guigui au cul. Guigui. Il est là. Wouhouhou. Voilà mon Rhum. Comment ça va? Ah ouais, je suis très content d'être là. C'est vrai. On a hein. Trouvé les copains. Et on va rouler. On a un vélo qui est tout mouillé. Oh. J'aime bien parce que derrière t'as les pneus qui balancent direct. On est mouillé. C'est éprouvant quand même avec des pneus comme ça. Hein. Tantôt ça accroche pas du tout. Hein. Regardez bien. Ça part dans tous les sens. Oh. Oh bah alors là, c'est un bel exemple. Non, ça, oui, c'est vrai qu'on doit le faire. Putain, comment il fait dégueulasse aujourd'hui. Trifnoutz. Ah, je suis timide, moi, je suis timide. Moi, je... Ah, vas-y. De dos, alors, de dos. Alex. Oui. Ars Motorsport. Oui, alors, ce pit, il est bien, il y a un peu... T'as un peu de grippe. T'as grippe là? Ouais, un petit peu, oui. Ah ouais? Bah c'était pneus là, des pneus neufs. Alors, t'as un problème aujourd'hui? Non, mais ce nouveau angle, je sais pas, je sens que j'ai pas trop d'angle. Angle de braquage bloqué, on se demande ce que c'est. Si, là, ça tourne, non? Regarde. Bonjour, voilà, j'ai pété un kilo encore une fois. Parce que je pèse 125 kg et malheureusement, les terrains sont pas faits pour tenir 125 kg sur la côté gauche. Voilà.
Yeah. Alors c'est quoi la team ici? Les dimancheurs. La team des dimancheurs. Exactement, les pilotes du dimanche. Arout, Lilian, Azav, Nicolas, Repier et Tommy. Il y a une page, quelque chose? Il y a un petit YouTube, un petit Instagram. Instagram c'est ldm.drift, je vous invite à tous y aller dessus. Il y a un petit YouTube aussi, c'est les dimancheurs. Et un petit Facebook, exactement pareil, les dimancheurs. Les dimancheurs. Vas-y, redis tout, la team, le machin, le truc. Team le... PSC. Nous, on est des cochons, c'est tout. C'est du sale. Il n'y a pas de chaîne YouTube. La page Facebook PSC Drift. Ok, voilà. C'est celle-ci. La célèbre Charlotte, c'est putain moi. Oh, j'y crois pas. C'est moi, Charlotte officielle. C'est qui, toi? C'est célèbre, toi aussi. Mais attends, non, ça, non, c'est Charlotte. C'est la copilote la plus courageuse du monde. Sarah et Charlotte. Tchou. On peut te faire écraser par une Renault. C'est la honte. Sébastien Foissier. Moi, Jean-Loup Joyet. Première journée de roulage avec ma E30. On n'a pas de team officielle, mais voilà, je suis cascadeur professionnel. Moi, dans la vie. Et moi, je suis moniteur de pilotage. Et ma page Instagram, c'est Seb Foissier. Et, bah... Et moi, mon Facebook, c'est Chiloulou. Chiloulou. N'hésitez pas. Nickel. Eh, c'est pas une photo, hein, c'est de la vidéo, les gars. Ah, c'est vidéo. Salut à tous, là, cette petite journée aux Écuyers. Voilà, là ça roule fort, c'est la fin de journée aujourd'hui. Là. Petite sortie, une, ça va. Ça fait bien aujourd'hui. Par rapport à certains, on n'est pas trop mal. Sur Facebook et puis Insta et YouTube, Vagabond Drift Team, si vous voulez nous suivre pour voir un peu ce qu'on fait, nos journées de roulage, etc. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Voilà, à la prochaine, les gars. Couleur de BM avec ses mécanos, un mécano par rond. Toi tu prends l'autre. Normalement on était dans les panneaux, c'est ça, on a un temps à réfléchir. Oh putain, laisse tomber, la course est terminée, mon gars. Salut tout le monde, en forme ou quoi? Petite journée aux Écuyers, de glisse avant le X millième confinement. On est venu profiter un peu avec les copains. La chaîne YouTube, les Big Jim. Ma copine Sophie, ma collègue est en train de. Comment ça s'écrit? D-I-G-J-I-M-E-B-E-N-T. Mais plein de pouces bleus, machin, des trucs là, faire des petits jeux. Moi c'est Sylvain, hein, donc on va en faire une tout à l'heure. Vas-y. Avec ce beau système de frein à main.
c'est parti. Ça glisse déjà, eh. Ça fait moins de bruit que dans la mienne. Dehors, ça caille, il fait froid, j'ai les pieds mouillés. C'est mouillé de chez mouillé, n'est-ce pas ? Le commissaire, pareil, il a froid le commissaire depuis ce matin. Il sèche un peu avec le vent. Ah oui, le vent, ça fait sécher, hein. Bah, il y en a là. Bon, allez, tout ça pour vous. Waouh ! Alex, ah, encore un fissuré, Alex. Il fissurait ton écran. Là, là, c'est rien. Mais non, c'est rien, ça. Encore un Alex, il n'y a que des Alex. Je sais pas, drift, Alex. Ah, au fait, bonjour. Hello. Hello. Alors parlez-nous un peu de cette voiture, c'est quoi ? C'est une merguez, orange. Orange, un piquant alors, c'est clair. Ouais, ouais. Et alors t'es heureuse ? Oui. Vous êtes heureuse toutes les deux ? Je suis heureuse. Attends, on va présenter la merguez. Ouais. Nouvelle journée. Aujourd'hui, je travaille pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'allume cette caméra. Pour dire bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour. Voilà. David, voilà. On est en GT3 aujourd'hui. Putain, on est dans une Porsche. Une Porsche, ouais, on peut le dire. Oh, mec. En plein apprentissage. Voilà, on va essayer de faire ça. On va essayer de rouler propre, étape par étape. On se retrouve avec Plume Noir. Voilà, sur une Porsche GT3, 475 chevaux. Ouais. On est comment là? Comment on se sent, Plume Noir? Je me sens bien, les gens ils me regardent pas pareil que d'habitude. Pour apprendre avec une voiture comme ça, faut être courageux. Hein. Ah ouais? Hop. Faut redresser vraiment tout. On peut voir la maîtrise de tout le noir. Oh la vache! Putain! Merde! Oh la vache! Ça accroche, mais sec, je sec! C'est bien vache! Tu la prends vite en main, hein? Non. Elle est sèche, hein? Putain, c'est énorme! C'est énorme! Oh, c'est sec de chez sec! L'arrière, non, mais non. Il accroche, mais vraiment violemment. Non, non, ouais. J'ai sur le frein, on teste. Elle veut pas. Si elle veut pas, c'est pas grave. Ok. On force pas. Sur le frein, les petites Porsche là. Ah la vache. C'est violent, je vais mettre en 3, ouais. Ça va être mieux. Ouais, pied sur le frein, vitesse adhérence. Ça... ça va pas être facile, hein, je te dis tout de suite. Pour hein. Moi, ouais, je vais galérer. Ouais. Pour une première. Le mieux, c'est que tu apprennes à faire un peu de grip, tu vois, ne pas dépasser la limite, ouais. Avec la direction. Là. J'ai l'impression que Plume Noir a pris vite la main. On est plutôt pas mal là. C'est une machine de guerre. Sur une GT3, on est. C'est une première pour toi ou pas, Plume Noir? Avec un truc comme ça? Ouais. Ah ouais. J'avais roulé une 997 RS, mais elle était facile. Hein. Ok. Là, c'est vraiment un monstre. Bah, c'est les pneus aussi, hein. Les pneus sont vraiment ouais. Violents. Ok. Violent, je suis violent. Redresse gentiment. Faut vraiment accompagner le volant proprement, ça, ça va être le plus gros du boulot, je pense. Okay. Le plus gros du boulot. C'est déjà fini. Magnifique. Putain, c'était rapide, attends, je comprends pas. C'était rapide ce petit circuit. C'était intense mais rapide, comme vous avez pu voir. Yeah les gars. C'est pas une photo. Voilà, c'est fini. Vous avez vraiment cru que j'avais pété une Porsche? Non mais franchement les gars, vous connaissez pas ou quoi? Faudra attendre encore un petit peu. En tout cas, merci à tous les gens que j'ai rencontrés ce week-end. C'était vraiment, vraiment super. Franchement, ça fait plaisir de rencontrer des nouvelles têtes et puis d'apprendre à vous connaître. Et merci beaucoup à David aussi pour la Porsche parce que c'est vraiment une expérience géniale. On n'a pas pu se voir dans la journée, donc j'espère que tu as progressé et j'espère qu'on se reverra encore. En tout cas, mec,
t'assure. Voilà, et encore merci à Mike et Objectif Maîtrise parce que vous êtes tous super cool. On a passé un super week-end tous ensemble. Bah, et je reviendrai bientôt pour rouler, voilà, c'est tout. Bon, et toutes les conneries habituelles. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce, cliquez sur la cloche, etc. Vous connaissez le truc. Allez voir dans la description, il y a plein de trucs sympas. Salut. Je suis obligé d'attendre.